Si vous deviez retenir trois opérations réussies dans la mandature de M. Collomb, quelles seraient-elles? Alors on pourrait dire l'embellissement de certains quartiers, notamment les berges du Rhône, les berges du Maçon qui sont en cours de chantier. On pourrait dire le travail sur certains grands événements culturels. Et puis tout le travail qui a été entrepris pour rattraper le logement, le retard en termes de logements sociaux, qui a été entrepris dès 2001, et qui a permis que certains arrondissements qui étaient vraiment très 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 bas et où il n'y avait pas du tout de mixité sociale, commencent à se rapprocher d'une ville un peu plus partagée. Et à l'opposé, si vous deviez retenir trois opérations ratées de la mandature de M. Collomb? Alors la question de l'eau, qui est vraiment primordiale pour moi, avoir choisi de reconduire une délégation de services publics sur l'eau, c'est vraiment un échec. La question du prix des transports en commun, qui ne cesse d'augmenter et qui sont avec un service qui n'est pas en plus toujours, qui ne permet pas toujours à tout le monde d'accéder à Lyon. Et puis, paradoxalement, bien que le logement social ait progressé, on est encore loin d'une réelle mixité sociale et certains quartiers, à contrario, stagnent et voient leur loyer augmenter. Notamment le quartier de la Croix-Rousse où j'habite. Pour moi, c'est un problème de voir partir les couches les plus populaires de la population. Et si vous êtes élu, quels seraient vos trois chantiers prioritaires? On a le retour en régie publique de l'eau. Le libre accès au transport, à commencer par les RSA socles, les étudiants de moins de 25 ans, parce que la question des services publics est vraiment primordiale. Et puis, le développement de logements sociaux axés sur les catégories les plus défavorisées, hein, pour rééquilibrer dans tous les arrondissements, et plus de démocratie, une vraie démocratie participative. Donc, services publics, démocratie, logement.